nous avons soulevé bien sûr les questions qui sont aujourd'hui celles qui retiennent l'attention de tout le peuple ivoirien et plus particulièrement le gouvernement ivoirien, la gestion de la crise de l'épidémie à virus Ebola. Je parle bien de gestion dans les mesures, au niveau des mesures préventives, puisque grâce à Dieu, pour le moment, nous n'avons pas de cas avérés en Côte d'Ivoire. Alors, les questions étaient diverses, hein, j'allais dire que cela vont sont dans du cadre même de la logistique, comment l'ONUCI peut nous accompagner en termes de tentes. Vous savez que nos frontières sont extrêmement poreuses. Comment faire pour que justement des éléments de la police de l'ONUCI puissent nous accompagner et accompagner nos forces de l'ordre, de sécurité, mais également nos agents de santé qui sont à poste avancé au niveau des différentes pistes illégales utilisés par les migrants, mais également au niveau des frontières, parce que ce n'est pas parce que le gouvernement a fermé les frontières que nous allons nous endormir et penser qu'il n'y aura pas de percée des migrants de l'autre côté. Donc nous restons vigilants et nous avons demandé l'accompagnement, bien sûr, de l'ONUCI pour nous accompagner et maintenir cette vigilance, parce que on se rend compte que, au fur et à mesure, les problèmes deviennent de plus en plus importants. Les différentes frontières que nous partageons avec tous les pays frères, que ce soit le Ghana, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, les migrants font des détours. Ils essayent de rentrer par n'importe quelle frontière. Nous n'allons pas nous enfermer et fermer toutes les frontières. Ce n'est pas possible. Ce ne sera pas gérable. C'est la raison pour laquelle tout appui venant de l'ONUCI ne peut qu'être nous être profitable et nous accompagner dans les mesures préventives que le gouvernement a prises pour ne pas autoriser le virus Ebola à entrer en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais ici réitérer toute l'entière disponibilité de l'ONUCI et au-delà du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement dans la gestion de cette question de l'Ebola. Vous savez que pour les Nations Unies, au-delà de nous, c'est l'OMS qui est le chef de file, mais nous sommes tous ensemble derrière l'OMS pour accompagner le gouvernement. Madame la ministre vient de parler de structures, de principes de gestion et de procédures de gestion qui ont été instituées par le gouvernement. Donc je voulais ici aussi exprimer l'entière inscription de l'ONUCI dans ces processus-là, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce matin, nous avons posé des questions opérationnelles à la ministre et à son équipe pour voir comment nous allons nous inscrire dans tout ce processus de gestion défini par le gouvernement. Comme vous le savez, nous avons des troupes qui viennent des pays contaminés, nous avons du personnel qui vient des pays contaminés, et donc nous sommes dit que nous devons voir ensemble avec le gouvernement comment s'inscrire dans la stratégie définie par le gouvernement et partant confirmer et consolider l'accompagnement qui est le nôtre du gouvernement dans la gestion de cette question de l'Ebola.